On va maintenant passer à un tout autre domaine qui est l'évaluation sur du pet food, des aliments pour chiens et chats. Et donc je laisse la parole à Pascal Pachot de Diana Pet Food. Merci Pascal. Bien, bonjour à tous. Oui, on va passer encore à un autre type de population qui est pour tester le modèle de Bradley-Terry dans des comparaisons par paire. Donc là, c'est en l'occurrence des chats ou des chiens. Donc dans notre étude, c'était des chiens. Donc ils vont tester des produits et nos produits, ben, ce sont des croquettes. Alors d'abord, on va faire une présentation de ce que sont nos produits. Donc produit, c'est une croquette. Une croquette, c'est quoi? C'est une matrice de céréales dans lequel sont enrobés ce qu'on appelle des facteurs d'appétence. Donc, c'est du gras. Et à proprement parler, facteurs d'appétence, ce sont deux types d'ingrédients, des ingrédients liquides, des ingrédients en poudre, qui peuvent être mis seuls ou en mélange. Et ce qu'on appelle les facteurs d'appétence, en fait, ce sont ces deux parties-là, liquide, poudre, qui font partie de l'enrobage de la croquette. Donc ça, c'est au niveau de nos produits, ce qui est consommé, et au niveau de nos consommateurs. Donc, à Diana Pet Food, on a des panels qui sont des panels experts, qui sont formés pour faire de la comparaison par pair. Donc, ils sont formés à discriminer des produits pour des produits discriminants. Ils sont formés aussi à ne pas discriminer les produits quand ceux-ci sont proches. Donc, à Panelis, on a environ 950 chats et chiens qui sont dispersés dans différents panels en France, au Brésil ou aux États-Unis. Donc, chaque comparaison se fait sur la base. Des sons. Pas trop vite. Donc sur la base sur environ une quarantaine d'animaux. Chaque test versus qui sont passés dans nos panels se font sur une base d'environ 40 animaux. Alors pour chaque animal, on a en fait on lui présente deux bols dans lesquels sont présentés les deux aliments. Et puis, on vérifie, on constate, hein, tout simplement, si un produit A est mieux, plus consommé qu'un produit B, ben, celui-ci est préféré par cet animal. Donc, au total, comme on sait aussi qu'il y a les différences sont variées suivant les animaux également. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire des présentations avec une quarantaine d'animaux pour avoir un consensus sur le produit préféré. Alors, lorsque l'on veut comparer plusieurs produits, donc là aussi, donc avec nos animaux, nous sommes limités par le fait que on peut faire uniquement que des comparaisons par paire. Donc, lorsqu'on veut comparer plusieurs produits, bah, on est obligé de passer par des tests de Bradley dans lesquels toutes les comparaisons sont testées les unes contre les autres. Bon, par exemple, là, sur la slide, on a quatre produits qui sont pas comparés. Ça veut dire qu'on a 4 x 3 divisé par 2, ça fait 6 comparaisons. Donc, chaque animal va tester les 6 comparaisons dans un test versus, donc A contre B. Et on a en définitive, on calcule des scores pour chaque produit et qui permet d'avoir un ranking des produits pour savoir lesquels sont préférés. Alors, l'étude que nous avons passée consistait à déterminer, faire des comparaisons de par paire pour deux types, à partir d'un plan d'expérience. On avait deux types de poudre, P1 et P2, et trois types de liquide, L1, L2 et L3, qui étaient en mélange. Et donc, ça fait 6 produits qui ont été vus par les animaux. Donc, 15 comparaisons possibles. 15 comparaisons possibles, bon, ça paraît, c'est trop pour nos animaux, puisqu'on veut aussi comparer les produits relativement rapidement dans le temps. Donc, pour cette comparaison, on a pris
deux panels. Donc, ça correspond à 79 chiens qui ont été divisés en deux parties. Donc, un panel a testé 8 paires parmi les 15 comparaisons, et un autre panel et 7 paires. Alors, là où ça devient intéressant, puisque jusqu'à présent, j'ai plutôt parlé uniquement du modèle de Bradel-Terry, c'est que notre objectif, hein, ça permet de répondre à notre objectif, c'est que dans ce modèle de Bradel-Terry, on peut comparer les produits entre eux, mais ce qu'on peut faire aussi, et on va le voir par la suite, c'est pas uniquement comparer les produits entre eux, mais comparer les caractéristiques produits, c'est-à-dire introduire les caractéristiques produits dans nos modèles de Bradley, et pour essayer d'avoir une idée de l'importance de ces caractéristiques produits. Donc là, en l'occurrence, pour nos produits, on avait deux caractéristiques, c'était poudre et liquide. Est-ce que, pour savoir, répondre à la question, dans les préférences des produits, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la poudre? Est-ce que c'est le liquide? Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? Et puis également, ce qui nous intéresse aussi, surtout pour les chiens, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les gros chiens et les petits chiens au niveau de la préférence? Et de la même manière qu'on peut introduire les caractéristiques produits dans le modèle de Bradley, on peut aussi introduire les caractéristiques animaux dans le modèle de Bradley, donc les caractéristiques sujets de manière générale. Donc pour ce plan d'expérience, on a d'abord calculé les scores de Bradley de manière classique. Et les résultats montrent ici que on a une grosse préférence pour la poudre numéro 1, pour le produit qui était, donc le produit le mieux classé, c'était celui avec la poudre P1 et le liquide L3. Mais de manière générale, on s'aperçoit que dans le classement des produits, les trois produits les mieux classés, ce sont les trois produits qui contiennent la poudre L1, tandis que les trois moins bien classés, ce sont les produits qui contiennent de la poudre P2. Donc, ça permet de dire que si on veut comparer l'effet de la poudre et l'effet du liquide, que certainement l'effet de la poudre est prépondérant par rapport à l'effet du liquide. Et on constate également que à l'intérieur de chaque catégorie, on a un classement des liquides où L3 est préféré, L2 est préféré à L1 sur l'ensemble du panel. Mais on a un effet poudre qui est visible et on a aussi certainement un effet liquide qui est visible. Donc, mais ceci, en fait, on veut le quantifier, on veut savoir la poudre est prépondérante, mais en quelle proportion, etc. Donc, on a décidé d'introduire les caractéristiques produits à l'intérieur de notre modèle de Bradley-Terry. Donc, la manière dont on introduit le modèle de les caractéristiques produits. Alors, j'ai utilisé donc le logiciel R et un package qui peut faire ce genre de modification, c'est le Bradley-Terry 2. Et dans ce package, il y a une fonction qui s'appelle BTM qui estime qu'on appelle des abilities, des coefficients lambda x qui sont appelés des abilities. À partir de ce coefficient, on peut retrouver les scores de Bradley en passant à l'exponentielle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut relier directement ces coefficients, les abilities, aux caractéristiques produits par des relations linéaires. Donc, ce qui veut dire que dans nos modèles de Bradley, à la place de mettre nos produits, maintenant, on va mettre non pas nos produits, mais les caractéristiques produits. Donc, on va mettre l'effet poudre, on va mettre l'effet liquide et on va mettre l'interaction. Et on va tester, on va décider, voir quels sont les effets les plus importants à partir d'une analyse de Degnos. Donc ici, ce qu'on constate, c'est que, bien sûr, l'effet produit, c'est l'effet prépondérant, c'est lui qui est le plus important. Il y a un effet liquide qui est aussi important, qui est aussi significatif. En revanche, on n'a pas d'effet de l'interaction produit poudre-liquide, pardon. Ce qui veut dire que, de manière générale, enfin, notre modèle est essentiellement additif, c'est-à-dire que
Si on ajoute de la poudre et du liquide, ben c'est ça qui va augmenter l'appétence, mais qu'il n'y a pas d'interaction entre telle poudre ou tel liquide qui va augmenter encore plus l'appétence. Et puis, au niveau de la prépondérance de la poudre, on s'aperçoit dans l'analyse de la différence que l'effet de la poudre est environ 2 fois plus important que l'effet du liquide dans la préférence du produit. Et maintenant, si on calcule, donc là, on s'est aperçu que l'effet poudre et l'effet liquide étaient significatifs, qu'il n'y avait pas d'effet significatif de l'interaction. Si on enlève cette interaction dans notre modèle et qu'on calcule de nouveau nos scores, on peut voir que, en gros, notre score va être pratiquement identique. Ça évolue très peu par rapport au score de Bradley dans lequel on évalue nos produits ou avec notre modèle complet, et que la différence, ça peut être dû aussi aux variabilités dues aux produits. Donc, en fait, les préférences, les scores de Bradley qu'on a trouvés sont principalement, essentiellement dus à nos caractéristiques produits, donc avec une prépondérance de la poudre par rapport au liquide. Donc, à partir de là, on a voulu aller encore plus loin et voir si il y avait un effet de nos animaux sur la préférence. Donc, on peut tester différents effets. On peut tester l'effet du sexe, on peut tester l'effet de la taille, mais ce qui nous intéresse de manière plus particulière, c'est plutôt l'effet du poids. On a introduit ça à l'intérieur de notre modèle. On peut faire aussi de la segmentation, mais ici notre étude est portée plus sur l'introduction des caractéristiques sujets à l'intérieur même du modèle de Bradley. Alors, la segmentation par le poids, enfin l'introduction de l'effet poids dans le modèle de Bradley. Tous nos animaux, les animaux qu'on a dans nos panels, ils reflètent le panel européen avec une large population de gros animaux et de petits animaux. Il y a à peu près la moitié de petits animaux dans les panels européens et les moitiés de gros animaux dans le panel européen. Donc, on a décidé de faire une coupure des animaux en dessous et au-dessus de 10 kg. Lorsqu'on fait une coupure en dessous de 10 kg, on a 34 animaux qui font moins de 10 kg et 45 plus de 10 kg, entre 10 et 50 kg. Donc, ce qui reflète, c'est à peu près équilibré entre petits et gros animaux et ça reflète la population européenne. Donc, on a introduit cette catégorie de poids dans notre modèle de Bradley pour étudier les petits animaux qui sont en dessous de 10 kg avaient des préférences différentes par rapport aux produits que les gros animaux. Alors, la manière dont on introduit les caractéristiques sujets dans le modèle de Bradley-Thierry, donc ici, on avait commencé par introduire les caractéristiques produits, donc les poudres et les liquides. Et la manière dont on a introduit nos sujets dans le modèle, c'est par l'interaction avec ces caractéristiques produits. C'est-à-dire, on essaye de voir s'il y a des préférences sur les poudres de certains catégories d'animal, donc les petits ou les gros, ou sur les liquides. Et lorsque on fait tourner ce modèle, ce qu'on constate, et c'est là où c'est intéressant pour nous, c'est que en plus de l'effet produit, de l'effet poudre et de l'effet liquide, on s'aperçoit que la catégorie de poids est différente. Il y a une interaction de la catégorie de poids avec le liquide, c'est-à-dire que les petits animaux ou les gros animaux, il y a une différence de préférence sur le liquide et pas sur les poudres. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un consensus de tous les animaux sur l'ensemble sur les deux poudres, c'est-à-dire que tous les animaux préfèrent la poudre P1 à la poudre P2. En revanche,
Au niveau du liquide, on s'aperçoit que il y a une différence entre les petits et les gros animaux. Et cette différence, on peut l'illustrer en faisant le calcul du score de Bradley suivant les deux catégories. Et on s'aperçoit qu'en fait, par rapport à notre résultat de score de Bradley qu'on avait précédemment, où on avait les poules P1 qui étaient préférées aux poules P2 et puis les liquides L3, L2, L1 dans l'ordre de classement. On s'aperçoit ici que pour les petits animaux, en fait, ils n'aiment pas le liquide L1. Et pour ces petits animaux, les deux produits avec le liquide L1 comme facteur d'appétence sont les moins appréciés. En revanche, pour les gros animaux, bon, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, ils apprécient de manière, ils ont une petite préférence pour L3, tandis que pour les deux autres liquides, bon, ils sont à peu près équivalents. Donc, la conclusion principale par rapport à ces deux catégories de poids, c'est que les petits animaux ont des préférences différentes aux gros animaux. Et en l'occurrence, ici, ils n'aiment pas les liquides L1 comme facteur d'appétence. Donc, en conclusion, pour nous, c'est important de pouvoir lier les scores de Bradley à nos caractéristiques produits pour savoir justement la prépondérance de telles caractéristiques dans le score de Bradley. Qu'est-ce qui fait que les chiens préfèrent ce produit plutôt qu'un autre? Et aussi de pouvoir faire de la segmentation de produits suivant différentes catégories d'animaux. Donc là, en l'occurrence, sur le poids des animaux, on s'aperçoit que pour les petits animaux, on va éviter de mettre des produits avec des facteurs d'appétence contenant L1, tandis que pour les gros animaux, on peut sans souci inclure ce facteur d'appétence. Pour les gros chiens, il n'y aura pas de différence. Donc voilà, je vous remercie.